Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter de nouveau le Mister FPGA avec un nouveau câble que j'ai reçu récemment qui permet de connecter le Mister FPGA à un stick Neo Geo d'origine via de l'USB qui se présente ainsi. Je l'ai pris sur ultimatemister.com et voilà, donc c'est un câble qui arrive directement sur la manette Neo Geo, qui permet de jouer avec sa vraie manette au jeu Neo Geo VS ou AES d'origine. Donc je vous montre en direct, là j'ai rallumé le Mister FPGA. J'utilise le stick, le vrai stick de la Neo Geo pour aller dans les menus. Et donc après je choisis le jeu qui m'intéresse. D'abord la console. Et là on va tester Fatal Fury 3 aussi. Donc, Fatal Fury spécial, c'est pas grave. Donc là on voit bien que les touches fonctionnent. Mais j'invente pas, hein. C'est la Neo Geo, la vraie, avec le câble qui est ici, branché sur le Mister FPGA. Alors là, c'est pas très pratique pour vous le montrer. Donc, toutes les touches marchent. Top. Toutes les directions fonctionnent. Alors je vais avoir du mal à jouer avec avec les manettes comme ça. En tout cas, ça fonctionne bien. Ça vous permet de jouer avec votre vraie manette Neo Geo sur Mister FPGA. C'est juste un petit câble qu'il faut acheter. Bon, je crois qu'il coûte quand même 20 euros. Et après, ça vous permet au moins de ne pas avoir une manette de Neo Geo générique, mais la vraie manette. Et surtout de vous affranchir d'un adaptateur en plus assez coûteux. 20 euros, ça reste raisonnable pour pouvoir jouer avec sa vraie manette sur Neo Geo. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci encore pour le visionnage de cette vidéo. À bientôt.